Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue au studio. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Monsieur Omar. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, tala fatihi. Monsieur Omar, responsable de la prédication de la communauté Ahmadiyya de France. Vous allez bien ? Ça va et vous-même ? Très très bien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème du cinéma. Alors nous avons parlé du thème de la musique, de la danse dernièrement. Alors on va aborder le thème du cinéma, le cinéma qui est assez large. Hein. On va parler pas du cinéma, du grand écran particulièrement. On va parler aussi de la télévision. On va parler un petit peu de tous ces thèmes qui rejoignent le cinéma. Alors ma première question un peu fondamentale, est-ce qu'un musulman est autorisé à aller au cinéma ? Dans l'absolu, avoir un loisir, c'est pas une interdiction. En islam, il y a ce qu'on appelle la catégorie de ce qui est vain, de ce qui est futile. D'accord ? Maintenant, aller au cinéma, voir un film inspirant pour pouvoir on veut dire, s'élever ou s'inspirer de l'histoire, de choses qui se sont passées, c'est quelque chose qui est bien. Malgré les scènes de... Parce que vous parlez de, par exemple de films d'histoire, on va parler de films d'histoire par exemple avec des scènes de violence. Est-ce qu'un musulman est autorisé à aller voir ce genre de film ? J'ai envie de dire, c'est quand vous lisez un livre qui relate l'histoire de ce qui s'est réellement passé, c'est quelque chose qui vous instruit, qui vous indique comment les choses se passaient à un certain moment donné de l'histoire humaine. Il n'y a rien de mal à cela. Maintenant, aujourd'hui, la problématique, elle n'est pas tant sur le contenu des films de cinéma. Elle est, même si effectivement c'est un vrai sujet aussi, il faut faire attention à ce qu'on regarde, mais elle est surtout sur la place qu'on donne au divertissement, et notamment au cinéma, dans la société. Où effectivement, ce n'est pas le rôle d'un acteur d'être quelqu'un qui va inspirer, d'être un modèle. Il est beaucoup mieux de s'identifier à un pompier, par exemple, qui est quelqu'un qui est utile à la société. En gros, vous êtes en train de nous dire qu'on peut aller au cinéma sans devenir fan, en quelque sorte, quoi. Sans avoir une image ou un modèle d'un acteur de cinéma. C'est pas le but, c'est pas le rôle, parce que le cinéma, avant tout, c'est vendre du rêve. D'accord. Et si soi-même, est-ce qu'un musulman, dans ce cas-là, est-ce qu'un musulman est autorisé à devenir acteur de cinéma alors ? Aujourd'hui, les facultés de l'individu, elles sont faites pour qu'il progresse et pour qu'il soit utile pour la société dans laquelle il vit. Et le problème qui se pose, c'est que le cinéma et le show business en général, ils vendent quelque chose comme un peu le jeu de hasard. Il y a des gens qui, en voyant, en rêvant, en restant en admiration béante devant des acteurs de cinéma, croient qu'eux aussi pourront le devenir. Et ça, c'est faux. C'est très dur pour pouvoir percer et être une star mondiale. Et finalement, alors qu'on a les capacités pour pouvoir devenir quelqu'un de très bien par ailleurs, oui. Un architecte, un ingénieur, un médecin, un pompier ou des choses encore moins peut-être intellectuelles, mais tout aussi utiles pour la société, eh bien, l'homme va gaspiller toute son énergie pour essayer d'obtenir quelque chose qui finalement Cependant, vous connaissez la force du cinéma, hein, vous savez, le cinéma influence énormément la population, comme vous l'avez dit. On peut faire passer des messages par l'intermédiaire du cinéma. Donc, est-ce que maintenant, est-ce qu'un musulman peut utiliser cet outil du cinéma pour faire un film, pour promouvoir n'importe quoi. Est-ce qu'il peut utiliser cet outil pour promouvoir quelque chose ? On promouvoit le réel à travers le réel. Le cinéma, aujourd'hui, il peut véhiculer des messages et individuellement, on peut se nourrir des messages que véhicule ce média-là. Mais est-ce que par l'intermédiaire de ce média-là, on va pouvoir véritablement influencer la société pour qu'elle change réellement? Ça, j'en ai beaucoup. Ça a eu des impacts quand même. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Indigène, où on parlait de la guerre mondiale et où on retraçait en fait les tirailleurs sénégalais, les Marocains et les Algériens qui étaient venus combattre aux côtés de la France. Ça avait eu un impact parce que des hommes politiques ont décidé de faire quelque chose vis-à-vis de ces personnes-là qui ont été oubliées pendant la guerre. Donc, on peut dire que c'est un impact quand même. Il y a une prise de conscience, je ne dis pas le contraire, mais là vous parliez de véhiculer des valeurs morales, apporter, quelque part, transmettre le message de l'islam à travers le cinéma. Pour vous, ce n'est pas possible ? Ce qui a fait ses preuves, c'est le réel, c'est le comportement réel. Au cinéma, vous avez des acteurs qui vont démontrer une facette, et c'est leur métier, ils vont jouer
et c'est le cas de le dire, mais dans la vie de tous les jours, ils auront un rôle complètement différent. Et donc, comment une personne pourra s'identifier à une personne qui véhicule un certain message, parce que c'est son métier, son rôle, et que dans la vie de tous les jours, il est complètement différent, il n'est pas du tout exemplaire. Donc là, vous avez, se pose le problème justement du modèle. Le véritable modèle, ce sont des individus de tous les jours, des individus qu'on voit au quotidien sur le terrain, qui montrent un exemple. Mais au cinéma, on joue un exemple. C'est complètement différent. D'accord. Mais étant donné qu'on n'a pas de, à l'époque du Saint-Prophète, que la paix soit sur lui, on n'avait pas de dire sur le cinéma, le cinéma n'existait pas. Mm-hmm. Donc, comment peut-on déduire tout cela au jour d'aujourd'hui? Comment l'islam peut donner ses conseils vis-à-vis du cinéma, par exemple, ou de la télévision, ou de Netflix, de tous ces médias-là? Parce que le principe, c'est la comédie. Et le principe de la comédie, c'est jouer. Le principe de la comédie, c'est faire semblant. Et après, on paye les gens pour faire ça. Donc, on n'est pas dans la réalité. L'islam est une religion très terre-à-terre. Donc, on explique aux gens qu'il faut être logique, il faut être raisonnable et faire des choses qui peuvent vraiment être utiles à soi-même et pour ceux qui nous entourent. Or, encore une fois, et c'est le rôle du cinéma, c'est de vendre du rêve. On n'est pas dans la réalité. Donc, à vos enfants, vous leur conseillez de regarder la télévision ou vous les emmenez au cinéma, par exemple? Je contrôle. Personnellement, vous, hein. Personnellement, bien sûr, je contrôle. C'est ceux qui regardent à la télévision au sein du domicile. Et si on doit aller voir un film au cinéma, on ira bien sûr voir un film si effectivement je trouve qu'il y a une utilité à aller voir ce film-là. Mais encore une fois, je fais bien attention à ce qu'ils ne deviennent pas addicts. Il est important de bien mettre les choses dans leur contexte. Chaque chose, en réalité, a un but et a un rôle à jouer. Et le problème aujourd'hui, dans cette société de consommation, c'est qu'on a rendu le divertissement comme un but en soi. Mais et ça, c'est pas... Ça, c'est pas on ça, on va élargir un petit peu le sujet, on va élargir un peu le sujet. Là, on est en train de parler donc on a parlé de la télé, on a parlé du cinéma, et nos téléphones portables nous permettent justement de pouvoir visualiser un maximum de vidéos sur YouTube, Dailymotion par exemple. On ne peut pas avoir un contrôle constant sur nos enfants, par exemple avec cet outil qui est le téléphone. Hein. Ça devient très compliqué. Et on voit qu'au jour d'aujourd'hui, la jeunesse est totalement addicte au smartphone. Hein. Ça fait partie de notre vie. On voit souvent des jeunes, ils sont tous ensemble, personne ne se parle, mais tout le monde est sur son téléphone. Un musulman peut-il... Au final, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Est-ce qu'un musulman peut posséder un smartphone? Moi, je vais vous répondre par rapport à ceux qui ont créé les smartphones, ceux qui ont été les papes, on va dire, du net. Eh bien, eux-mêmes, à leurs enfants, ils les envoient dans des écoles où il n'y a pas toutes ces choses-là. C'est pour vous dire qu'ils connaissent les dangers de cette chose-là. Bah oui, parce qu'au final, si on part du principe que le musulman est là pour adorer Dieu, cet outil que le smartphone va l'éloigner de Dieu un peu. Dans l'absolu, on n'est pas là, encore une fois, pour décréter, dire c'est halal ou c'est haram, bien que le motif de l'émission. On est là pour ça, un peu. Hein. Mais je veux dire, mais l'islam, il n'est pas là pour ça. D'accord. Il est là pour orienter, pour canaliser, pour conseiller. Oui, mais je me souviens des premières émissions. Alors, halal ou haram, on va revenir sur le principe de base, hein, qui est le halal ou haram. C'est, on fait d'un côté, on dit ce qui est bénéfique, et de l'autre côté, on dit ce qui n'est pas bénéfique. D'accord. Et après, sur le smartphone, j'ai envie de vous dire que si on fait la somme des deux, ou du moins si on fait la différence entre les deux plutôt, je dirais que ce n'est pas bénéfique, non? Non, il y a de l'utilité. Mais oui. Encore une fois, l'islam est une religion de modération. C'est ça que je vous ai déjà dit, d'ailleurs, dans les précédentes émissions, qu'il y a très peu d'interdits en islam. Mais il y a ce qui rentre dans la futilité. Et d'accord. Le futile peut devenir interdit quand il est commis dans l'excès. Et comme l'islam est une religion de modération, elle modère l'usage d'outils qui pourraient être néfastes pour l'individu. Et le smartphone, il rentre complètement dans cette catégorie-là. Vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il serait pas sage d'interdire tout bonnement et simplement un outil qui a un usage, une utilité courante. D'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Et j'espère que malgré tout, vous allez continuer à nous regarder à la télé, sur YouTube. À très bientôt. Assalamu alaikum.